à l'Aigre à Création et dans le domaine de la bijouterie depuis plus de 60 ans. Nous travaillons sur le domaine local et international pour l'export. Nous sommes aujourd'hui à la pointe de la technologie de la fabrication du bijou. Nous employons chez nous plusieurs personnes avec certains handicaps et nous sommes très satisfaits de leur rendement. Certains d'entre eux travaillent chez nous depuis plus de 20 ans et font partie comme une famille. Nous n'avons jamais hésité à employer des gens avec certains handicaps. Nous avons toujours eu une très bonne expérience à ce niveau-là. Les gens avec handicap sont généralement beaucoup plus sérieux. We started it in 1985, so nearly 30 years now. And the nature of our business, we breed monkeys of the species Macaca fascicularis, which is the monkey that you find in the wild in Mauritius, for export for biomedical research purposes. Most important thing, because for me, I don't regard the persons that have any kind of disability as any different to other people in the company. They are part of the team, and each and every member of the team makes us who we are. Nous voilà en 1982 que nous avons envie de mettre l'amour en action. Et qui m'a donné sur eux de faire ça, c'est que nous avons envie de montrer qu'il y a une personne qui a un handicap capable de travailler. Nous avons démarré en faisant un petit produit artisanal. Et puis tout de suite, nous avons eu un contact international. Et nous commençons à exporter un produit. Beaucoup d'handicapés passent à travers nos sociétés, Craft Aid. Tout le monde handicapé qui a la possibilité, nous pouvons donner ce coup de main, nous pouvons traîner pour que nous gagnions le travail d'après notre habilité. FSC was created in 2001 as the integrated regulator for non-banking financial services and global business. I think what is important when people with disabilities come to us, we want to look at their strengths and what would they be able to contribute. Definitely, anyone with such talent, we don't look at their disabilities. So in a way, I can say, yes, we are planning to do because we tend to focus on talents and they do have talent. The benefits for the company, you know, when you have people with such talent, you can only look at the strength and you can only derive benefits from that. Historique Marine existe depuis 82 et la moyenne d'ancienneté des employés est d'entre 25 et 28 ans d'ancienneté. Donc on est une grande équipe, on est un équipage, comme sur un vrai bateau. Le plus important à mes yeux, c'est de les faire s'intégrer et comme n'importe quel autre employé et qu'ils font partie de toute notre équipe. Mon souhait, c'est que la personne, qu'elle soit disabled ou abled, il faut qu'elle s'intègre dans notre équipe et forme partie de l'équipage pour amener le bateau ensemble comme tout le monde. I'm the HR manager of a technology home which comprises 9 companies, and Mauritius Computing Services Limited is one of the companies. We have in all 470 employees. Mr. Jason Mollet is an employee of the outsourcing services. We have always believed that disabled people have a place in society. Our philosophy is always to try to recruit people with disabilities where they can be useful also to our business. Very supportive, they have never felt that they have some disabilities, they form part of a team. We include them in any of our activities. They are really dedicated.
Ici, c'est la Mauritius Meat Authority. Nous existons depuis 40 ans. Nous travaillons sous le ministère agro-industrie et food security. Nos objectifs, c'est nous couper les animaux pour produire la viande fraîche pour nous envoyer ça en Timorie. Nous avons des gens avec des disabilités qui nous employent dans notre travail, juste pour comment dire, dans notre cas, dans notre labi. Alors, nous trouvons un moyen pour garder dans notre travail. Nous encourageons des gens avec des disabilités pour venir travailler avec nous, pour nous faire partie de l'équipe de la Mauritius Meat Authority. KFC est à Maurice depuis une trentaine d'années et KFC a été un peu le pionnier dans le eating out. Et aujourd'hui, on a commencé un projet sur l'emploi des sourds-muets parce qu'on pense que chaque entreprise, chaque individu, chaque Mauricien doit apporter ce qu'on appelle his fair share. Au bout du compte, aujourd'hui, on est très content. Il y a une très bonne entente entre tous les employés de Kentucky, une parfaite harmonie. Service 2000, c'est une entreprise familiale qui a été rachetée en 1993, donc ça fait maintenant plus de 20 ans. Et on a à peu près 350 employés dans l'entreprise. Nous avons embauché des gens qui avaient des handicaps légers et donc on n'a pas trouvé que c'était un obstacle au bon fonctionnement de l'entreprise. Et moi je considère que ce sont des personnes normales comme les autres personnes et surtout ce que pour nous les salaires sont exactement les mêmes pour les personnes handicapées que pour les personnes valides. Le Gourmet Emporium est implanté depuis septembre 2010. Nous importons des produits alimentaires. Pour moi, une personne qui n'est pas capable de faire quelque chose peut être capable de faire autre chose. Je pense qu'il faut leur donner la chance, comme n'importe quelle personne. Et c'est ça notre but. C'est pour ça que nous les employons. On les aide comme on aide tous les autres collègues ici, les autres employés, on les aide comme on peut. On fait beaucoup pour eux.